Bienvenue à Aubervilliers. Comme vous pouvez voir, là, on est en train de faire la rencontre du nouveau modèle de Renault, le Rafale, ou plutôt la Rafale, parce que le Rafale, ça va rester dans le jargon de l'aviation et de Dassault. Dassault avec son avion de chasse, le Rafale. Rafale, c'est quoi? C'est ce SUV fastback que certains nomment coupé, qui est vraiment pas vraiment gracieux à dire, mais par contre fastback comme le disent les Anglais. Oui, on est sur ce fameux pavillon de toit arrière plongeant qui lui donne cette allure plus sportive, d'où le nom fastback qui lui correspond vraiment bien. La base technique de cette Rafale, c'est la plateforme de l'espace, donc il en reprend évidemment toutes les caractéristiques, c'est-à-dire le train arrière multibras capable d'être directionnel, de pivoter jusqu'à 5 degrés l'arrière. Vous avez également la fameuse plateforme CMFD avec toutes ses ADAS, 32 en tout, et le moteur E-Tech hybride de 200 chevaux que nous avons aujourd'hui sur l'espace et sur l'Austral. Mais attention, Renault nous prépare une belle nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? C'est un moteur hybride rechargeable, 4 roues motrices de 300 chevaux. Ça, c'est pour plaire surtout aux Allemands, mais pas pour nous ne plaire non plus. Bon, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur la revue automobile. Là, on pourra vraiment plus le décrire. Allez, à bientôt.